Johnston va récupérer. Entre en zone de l'Armada. Passe de revers pour le Black. Il coupe vers le centre. Le tir. Touche tir. Oh. Et la jambière de Samson qui vient frustrer. On cherche la rondelle. Samson incapable d'immobiliser. Oh. Il laisse filer pour Pinard. Une descente à 2 contre 2. C'est Demers qui est de l'autre côté. Pinard, le tir est but! Simon Pinard! Simon Pinard qui s'amène à la gauche du gardien. Un 2 contre 1 qui se dessine. Et jusqu'à maintenant, je suis surpris du nombre de surnoms qu'on laisse du côté des Highlanders. C'est pas la première fois qu'on... Il offre par la rampe pour Abraham. Abraham pousse pour lui-même. Derrière le filet, c'est Abraham qui récupère. Abraham à la ligne bleue. C'est pour Nathan Lavoie. De l'autre côté, Assir le tir. Oh. Dévie le but! Ça dévie sur le bâton d'Étienne Caron qui vient d'enfiler son premier but en carrière dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Bikoff qui va récupérer la rondelle pour le petit numéro 22 de l'Armada. Quand on dit d'envoyer des rondelles au filet, on vient d'avoir l'exemple de la rondelle. On envoie ça vers le filet, ça touche un bâton. Et on est en zone des Highlanders pour son coup de pied. Et Pinard qui remet de l'autre côté la jambière imitaine du gardien but Welsh qui vient frustrer Antoine Demers. Les Highlanders, c'est Hamel qui était là. Bolduc, un tir puissant du revers maintenant. Oh! La puissance n'a pas fonctionné, la finesse a réussi. Exactement. À Samuel Bolduc qui enfile l'aiguille. Et pour le grand défenseur de l'Armada, c'est son premier but de la saison. Bolduc qui avait été d'une bombe, comme on le connaît de la ligne bleue. S'empare du disque, traverse la ligne bleue, s'amène devant Welsh. Corbeil va d'une feinte du revers, voulait revenir, ça a touché Welsh. Impossible pour Corbeil de ligne. Caron, ça passe de l'autre côté, tire la jambière! Demers encore une fois sur le filet. On revient à Desruisseaux, au cercle de mise au jeu. Desruisseaux remet dans le coin. 3 minutes 19, c'est Fortin. Fortin son tir d'un angle impossible. Oh. Il vient de marquer. Samson ne couvrait pas son angle. Un mauvais but qui va permettre aux Highlanders de respirer quelque peu. Tout de suite après, le vol de la rencontre de Matthew Welsh. Je pense que la rondelle, si on essaie de la... Il y a Gorsoy, Pinard qui fend l'air et Alexandrov qui s'échappe devant Samson. Alexandrov qui s'amène, la fin et le but! Alexandrov qui profite d'un revirement. Pinard qui a fendu l'air devant la rondelle. Et c'est là qu'on voit l'arrêt de Welsh suivi d'un but chance reparti au centre d'excellence Port Rousseau. Oh. Pinard, le train de Mel est arrivé. Mais... C'est Vikachev qui s'en sort avec le 10 pour Edman. Et c'est le but! Luke! Une magnifique passe! S'ajuster là, du côté de l'Armada. Le tir de Bernard, ça dévie devant, ça déjoue le gardien de but de l'Armada. C'est 4-3 avec 11 minutes 52 à faire. Et du côté, il va continuer son chemin. Le premier arrivé sera Abraham. Abraham à Bikoff. Bikoff, le tir, le but! Quel jeu d'Abraham! Tout le monde s'attendait à une passe pour Étienne Caron qui s'amenait. Mais en patienté, il a vu Bikoff. Avant de lui remettre dans la clave, et Bikoff n'a pas raté la chance de redonner une priorité de 2 points à l'Armada.